Enfin, j'ai trouvé ma vocation. Je suis Super Patrick, le protecteur de Bikini Bottom. Mais t'es sourd ou quoi? Je t'ai dit, c'est uniquement réservé au cadre. Regarde-toi, t'as même pas la tenue adéquate. Mais si ça t'intéresse, je peux te proposer une magnifique cravate cadre croustillant officielle pour la modique somme de 10 $. Si je la porte, j'aurai le droit de commander le sandwich spécial cadre. Ah non, ça suffira pas, à moins que tu agrémentes cette cravate de cette splendide paire de lunettes qui te donnera un look d'homme d'affaires pour seulement 10 $ de plus. Ah, je serais trop bête de dire non à une telle proposition. Ah, ça, je ne te le fais pas dire. Tiens, voilà tes 20 $. Et voilà tes splendides lunettes. Merci. J'ai fait mon choix. Je souhaiterais commander un sandwich spécial cadre. Mon brave. Et un sandwich spécial cadre, chaud devant. Tiens, régale-toi. Oh là là, ça a l'air vraiment délicieux, je vais en faire qu'une bouchée. Gars, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai cherché partout. C'est pas le moment de casser la graine, le temps presse. On va être en retard à la réunion. S'il te plaît, Carlo, prends soin de mon sandwich jusqu'à mon retour. Et comment c'est? J'ai une course à faire, mais je reviens le plus vite possible. À vos ordres, Capitaine Sandy. Oh, et Patrick, c'est toi le chef. Et cette caméra, et ce micro, et ça, là, et ce truc ici, ça, c'est bon, ça aussi. Les systèmes sont en place. On commence à compter? Est-ce qu'on compte le sable blanc tous les deux, et on passe à l'autre après, ou tu veux un saut? Sinon, on peut compter chef. La moitié du sable blanc et la moitié du sable c'est noir, moi, et chef. Après l'autre moitié du sable blanc, et c'est on moi, la moitié chef. Du sable noir. Qu'est-ce que tu en dis, patron? Ta première idée? C'est toi le chef. C'est moi le chef. Un. C'est moi le chef. Deux. Trois. C'est moi le chef. C'est moi le chef. C'est moi le chef. 46, 47. Quoi? Tu étais perdu dans tes pensées. On en est à 47. Je suis pas convaincu par cette méthode. C'est toi le patron. Tu veux faire comment? J'ai une idée. Écoute, tu vas compter le sable blanc et je vais compter le noir. Ouais, bonne idée. 48, 49, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Miam le pâté de crabe, c'est tellement bon que c'est... comment déjà? Que c'est trop bon! Hey, c'est mon slogan! C'est génial, hein? Ce garçon, c'est une étoile montante! Que je suis déjà une étoile! Voilà ce que j'aime entendre. J'ai inventé un jeu! Youpi, vas-y, raconte. Bon, voilà, tu sais que c'est très difficile de jouer à tic-tac-toc et qu'une partie prend toujours beaucoup trop de temps. Tu sais quoi? Je l'ai rendu plus simple et plus rapide à jouer. Je crois que je vais le regretter amèrement, mais montre-moi ce que c'est. Ça s'appelle le tic-tac. On commence avec deux lignes croisées comme ça. Tu vois, le premier joueur place un X, ensuite le joueur suivant place un... Ah, que c'est ça, un O. Ouais, le premier joueur qui réussit à aligner les deux signes trace une ligne dessus comme ça. Et ensuite, il dit tic-tac. Allez, tu commences. Tic-tac. Oh. Allez, on joue la belle. De nombreux tic-tac plus tard. Tic et tac. Je crois que j'aurais dû rester sur ma première idée. Si je connaissais quelqu'un d'assez bête et doivent au contraire pour affronter McNulty. Je vais prendre 47 pâtés de crabe, s'il vous plaît, ce sera tout. J'ai pris un petit déjeuner copieux, alors j'ai pas faim. Carlo, t'as une nouvelle coupe de cheveux? Bête et goinfre. Mais qui vois-je, ne serait-ce pas Patrick?
Quoi? Moi, ce ne serait pas Patrick. Si, bien sûr que si. Qu'est-ce que tu dirais de pouvoir manger autant de pâtés de crabe que ton ventre peut en supporter et, en même temps, de rendre à ta ville l'honneur qui lui est dû? Moi, j'aime bien la première partie, mais j'ai rien compris à la... Oh! Je sais exactement ce que je vais faire! J'ai compris, si c'est des amis escargots qu'il veut, eh bien, c'est un ami escargot qu'il va avoir. Miaou! Oh, un autre petit lascar égaré. C'est quoi ton nom, mon petit gars? C'est Patrick, miaou, miaou! Je crois que je vais t'appeler Patrick. Non, non, petit cochon, viens là prendre un bain. Miaou, non, non! Allez, maintenant c'est parti, je me lance. C'est mon jeu. J'ai créé mon propre jeu. Maintenant, je sais quelle est sa fin d'être un inventeur de jeux. Oh, et à toi, court flambeau, la vie n'est qu'une ombre qui marche. Nickelodeon, en exclusivité sur Canal et Numéricable.